Bonjour à tous et bienvenue ici à Nogaro pour cette première épreuve des Coupes de France Promo Sport. Coupe de France qui fête cette année leur 40e anniversaire, 40 ans d'existence, 40 ans de passion. On se souvient de jeunes talents qui avaient commencé ici comme Randy Depunier. Et cette saison 2015 s'annonce encore plus passionnante avec du sport et du vrai. Et c'est vrai qu'il va y avoir du sport pour ce premier week-end de compétition. Au programme, une vingtaine de courses, toutes disciplines confondues, avec une grande nouveauté cette année, l'apparition d'une nouvelle catégorie, les 400 cm3. Il faut lancer les jeunes. La marche entre les 125 et la 600 était très haute et il faut absolument arriver à ce que les jeunes puissent se former sur des catégories un peu inférieures de façon à pouvoir les amener vers les 600 ensuite. Ah oui, hein, les 400 cm3 que l'on retrouvera le 2 mai prochain à Carole pour la troisième épreuve de ces Coupes de France. D'ailleurs, il y aura toujours 9 manches au total sur l'ensemble de la saison, comme Le Mans ou encore les Denon. Mais la première, c'est ici, Nogaro, avec des conditions météo nuageuses pour les apprentis pilotes, des promotions découvertes, catégorie qui porte bien son nom. Tout le monde peut participer, quelle que soit sa machine, 600 ou 1000 cm3, et les modifications. Et parmi les engagés, il y a une engagée, j'ai bien dit une. Elle s'appelle Poupette et on va aller la voir tout de suite. Poupette alias Margot Van Hamme avec sa CBR 1000 et son numéro 52. La seule fille du plateau découverte. Moi je suis fière de représenter la gente féminine, il n'y en a encore pas assez en compétition. Enfin on est quelques-unes quand même maintenant, mais voilà, après je me considère égale par rapport aux autres. Au début c'était un peu difficile parce que les gens ils se disent ouais, une fille elle fait ça pour se la péter un peu. Là, j'entendais plein de réflexions. Puis voilà, une fois qu'ils voient que je suis une concurrente parmi eux, ils se laissent plus. Voilà, ils sont plus cool déjà. Ils savent que je suis capable de faire autant qu'eux. Et maintenant, je suis une concurrente. Voilà. J'ai fait 2x4 à Carole et 1x5 à Croix-en-Ternois. Donc voilà, maintenant j'espère le podium cette année. C'est mon but pour 2015. Et Margot qui va devoir batailler avec d'autres passionnés qui ont déjà un bon esprit d'analyse. Hein. Mathieu Puginier, le numéro 9, vous présente cette piste mythique Paul Armagnac. C'est parti pour 3 km 600. Voilà, on part. Première, seconde. Voilà, c'est une piste quasiment sèche. Quelques petites traces de mouillé, voilà. En troisième, premier virage. Ça joue un peu des coudes, c'est un petit peu serré, pour l'instant ça passe, après ça commence à se serrer un petit peu plus. Voilà, troisième, on bascule sur le droit. Voilà, moi je me fais écarter, pas très à l'aise dès les premiers tours, il faut toujours quelques tours pour se chauffer pour moi. Second droit, on va rentrer dans l'escargot, le vrai escargot, ça va refermer. Donc une bonne accélération, on tombe en seconde, on essaie d'élargir un petit peu pour garder la vitesse de passage au maximum. Pas trop rester sur l'extérieur de la piste, voilà, hop, on va basculer sur le premier gauche. Les pneus sont encore froids donc on fait un peu quand même assez gaffe. Voilà, on va attaquer le petit droit avant de rentrer dans une droite. Là, 3, 4, et on va tirer au maximum jusqu'à la 6ème. Donc les compteurs, vitesse pas forcément très exacte puisque la démule n'est pas d'origine. Donc sur des compteurs GPS, on peut penser 270-275, pas beaucoup plus. Et là, on retombe en seconde pour prendre le gros droit. L'épingle, voilà, bon, je me fais dépasser malheureusement. Voilà, léger droit, troisième. On va arriver sur un autre gauche, on va retomber en seconde. Bon, la trajectoire elle est pas idéale, un peu trop intérieure. Seconde, hop, on passe à troisième. Bonne petite accélération avant d'arriver à la Dunlop. Là, on fait gaffe, il y a quelques traces de mouillé comme on peut voir sur la piste. Bonne accélération et à partir de la passerelle, on prend les freins. Seconde pour basculer dans le virage Dunlop, dans le double droit. Voilà, ressortie, grosse accélération, troisième, jusqu'à après le passage des feux pour prendre les freins. C'est un peu tôt là, hop là, freinage. On reste en 3, on bascule. Et là, par contre, bien mouillé malheureusement le virage. Donc on fait quand même assez gaffe. Gauche, droite, gauche. Et on reprend la ligne de départ. Et là, grosse accélération pour repasser 2, 3, 4 jusqu'au panneau normand 100. Je freine un petit peu tôt. Et on reprend sur le second tour. Et après on va jouer des coudes pour remonter parce que là je suis un peu loin derrière. Et c'est vrai qu'il va falloir jouer des coudes, hein. 12 tours à parcourir pour ces pilotes. Mathieu qui va terminer 17ème de la première course du samedi. Margot et son numéro 52 frôlent le podium et terminent 4ème. Mais elle va avoir sa revanche sur la deuxième course du dimanche. Elle qui le dit, qui l'affirme, son point fort c'est le départ. Sur la première grille s'il vous plaît quand même. Elle accroche dès les premiers tours de roue la 3ème place. Et c'est avec joie et on le comprend qu'elle monte sur la 3ème marche du podium.
positif, hein, pleinement rempli en première course. Nickel. Eh nickel, hein, nickel, nickel. Oui, en tout cas, ce n'est pas le cas de la piste. Hein. Pour les seniors, avec quelques averses, les papis du bitume, hein, comme on les surnomme, un plateau qui a doublé cette année, toujours pour le plaisir. Et c'est Bernard Cusin, l'un des grands favoris, qui va s'imposer finalement après les deux courses du week-end. Coup de chapeau à Hubert Leray, qui remporte la coupe des plus de 50 ans. Alors vous l'avez vu, hein, les conditions climatiques sont très changeantes ici à Nogaro. Elles sont plutôt désagréables d'ailleurs pour les pilotes et les pneumatiques. On va aller voir comment ça se passe de ce niveau-là. Au niveau des pneus en promo sport, au niveau des pneus, enfin des pneus secs, ils ont le droit à un train de pneus pour le week-end, du samedi matin au dimanche soir. Par contre, les pneus pluie sont libres. Donc dans ces conditions-là, il y a beaucoup de changements de pneus. Les gars, ils ont beaucoup de travail le vendredi. Quand hier, ça a séché, c'était mouillé, c'est séché, ouais. C'est vrai que le choix des pneumatiques peut faire la différence ici. Et chaque pilote a son secret. Ils font en fonction du collègue qui est à côté. C'est-à-dire qu'ils veulent... À part en championnat de France Superbike, où c'est quand même un niveau un petit peu différent, et les pilotes, ils ont plus d'expérience, ils nous écoutent beaucoup plus, et puis ils font des choix des fois un petit peu osés, tandis qu'en promo sport, quand les premiers voient que leur collègue il est en pluie, ils ne prennent pas le risque de partir, même si on dit essaye, ça peut passer, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Et des risques, il va falloir en prendre un Promo Cup 500. Et sur la grille de départ, hein, tous les pilotes nous l'ont confié, il fait froid, pas plus de 8 degrés pour cette première course. 12 tours au total, avec un excellent départ du numéro 50, Florent Patel, sur sa Honda. Florent, hein, qui ne va pas arriver à tenir le rythme sur la course, il va terminer 11e seulement. En tête, c'est une belle bagarre comme on les aime, tout au pilotage entre Martial Belu, Pierre Grimou et Nicolas Folmar. À 7 tours de la fin, Martial, avec son numéro fétiche, le 21, mène les débats. Débat agité derrière également, hein, pour la deuxième et troisième position. Après 14 tours, ça ne rigole pas, à tour de rôle, les trois redoutables prennent la première place. Victoire finale pour 46 millièmes de seconde pour Martial. Imaginez, hein, ce n'est même pas la longueur d'un pouce sur la photo finish. C'est une belle bagarre. À chaque freinage, à chaque accélération, il y avait un changement de position. Ouais, ça arrêtait jamais. Non, ça arrêtait pas justement, c'est marrant, ça met de l'ambiance, ça s'amuse bien. On est là pour ça. Et pour la deuxième course de dimanche, avec du soleil cette fois-ci, on prend les mêmes et on recommence. Au bout de 4 tours, Nicolas Folmar, avec sa Honda CB500, est à la peine. Il va perdre, hein, pendant quelques minutes sa deuxième place au profit du numéro 24, Patrice Di Gregorio. Jusqu'au dernier mètre, hein, ça va être chaud entre ces deux pilotes. Hein, pilotes qui sont vraiment des super copains dans les paddocks d'ailleurs. On les voit souvent boire l'apéritif ensemble. Martial a un Bélu, hein, lui est déjà loin devant sur une autre planète. Il signe le premier doublé de la saison ici à Nogaro. Allez, sans grande surprise au classement général, un Martial Belu marque 50 points, 25 points par victoire, suivi de Nicolas Folmar et Pierre Grimou avec 36 et 33 points. À une piste relativement sèche, hein, mais des conditions incertaines pour les promos 600. Erwan Kelley avec le 53, grand favori de cette catégorie, arrache la pole position. Une jolie revanche, hein, lui qui a chuté l'année dernière ici à Nogaro. Une chute qui lui avait coûté le titre la saison passée. Hein. Erwan, hein, qui prend un excellent départ, mais après trois virages seulement, Adrien Confornina avec sa Yamaha R6 est déjà dans son rétroviseur au freinage. Deux tours plus tard, il prend la tête de la course. Erwan Kelley, hein, passe de la deuxième à la cinquième position. Erwan, hein, qui s'est fait quelques frayeurs, la piste. Et ça, c'est vrai, mais trompeuse par ces conditions. Conditions, hein, qui n'empêchent pas une grosse bataille et un joli spectacle entre Cyril Guignard et Patrick Majot pour les deux dernières marches du podium. Des 600 cm3, hein, qu'on le voit ici très à l'aise ici à Nogaro. Des 600 cm3 qui sont presque toutes d'origine. On peut atteindre quand même les 130 chevaux en changeant l'échappement et le filtre air, par exemple. Adrien Confornina, hein, le numéro 51, avec ses R6, survole littéralement la course avec presque 5 secondes d'avance. Il remporte cette première course à sa grande surprise. Une course pareille, surtout que la météo elle est mi-fig mi-raisin,
Maintenant, je me suis quand même fait des belles frayeurs parce qu'il y a des endroits vraiment piégeux. Pour une première, chapeau, j'espère que ça va continuer, mais je rêvais pas mieux. Allez, c'est vrai que l'on ne peut pas rêver mieux hein, avec une victoire après 4 mois de trêve hivernale. Adrien qui va se retrouver au coude à coude avec Erwan Kiolet, le numéro 53, dès le départ de la deuxième course le dimanche. Ils vont même limite se percuter à la fin du premier tour. La différence va se faire au freinage comme toujours. Adrien prend la première place et va la garder pendant 16 tours. Erwan et le reste du trio de tête hein, sont à l'attaque. Ils commencent quand même un peu à fatiguer à la mi-course, hein, tout comme leurs pneumatiques. Des pneus hein, qui s'usent deux fois plus vite qu'en promomile, sachez-le. Toujours du côté droit, c'est un gros mystère dans les paddocks. Patrick Majot, hein, lui le numéro 23 sur sa Yamaha qui bataille pour la deuxième place. Il va concrétiser ses efforts et passer Erwan Kiolet qui passe en troisième position à la mi-course. Et d'ailleurs Erwan hein, qui a fait une grosse préparation sportive hein, pour être au top cette année. Pas mal de VTT, de course à pied, de sport en salle avec un bon équilibre alimentaire. Hein, c'est peut-être ça la clé du succès. Il va s'accrocher jusque dans les derniers tours pour conserver sa troisième place. Un résultat plutôt convaincant pour ce jeune de 26 ans, membre du club Mecatlante. Hier, tu pars premier, tu finis 5. Aujourd'hui, tu pars premier, tu finis sur le podium. C'est rassurant. C'est rassurant. J'ai envie de dire que c'était une sacrée course parce que j'en ai chié tout le long. La moto va bien, je vais bien, tout va bien. Et il manque la petite chose qui a manqué ce week-end. J'ai fait la pole, j'ai marqué des points. L'important, c'est d'être régulier tout le long du championnat et pouvoir viser le titre. C'est roue dans roue avec Erwan Kiolet. Il y avait l'épaisseur d'un pneu entre les deux concurrents. Ah, quel beau podium avec au classement général Adrien Confornina qui marque 51 points avec une belle entrée en matière quand même. Hein, suivi de Patrick Malgaud et d'Erwan Kiolet sur sa Kawasaki avec 28 points. Et Nogaro attend enfin la catégorie Rennes, les promomiles. On se souvient de Romain Maître hein, qui a survolé la compétition l'année dernière. Romain qui est parti exprimer son talent en superbike. Le numéro à surveiller, c'est peut-être lui, le 7. Une nouvelle monture et reçu il y a quelques jours une Yamaha. Un nouveau monstre, une nouvelle catégorie adoptée pour Maxime Cucherdi qui était en 600 l'année dernière. J'ai la chance cette année de bénéficier de la nouvelle R1 et je pense que pour l'adaptation c'est un avantage. Ça se rapproche quand même beaucoup du 600 cette moto. Ça développe environ 200 chevaux à la roue pour un poids de moins de 200 kg tout plein fait. À piloter, je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir avec une moto. Et Maxime Cucherdi qui va s'élancer à la quatrième ligne après une grosse averse avec un excellent départ de Cyril Delaville-Montbazon sur sa Kawasaki. Une procédure de départ qui a changé cette année comme en superbike. Il faut maintenant attendre l'extinction des feux rouges. Des pilotes qui sont restés très sages dans leur trajectoire, on le voit. Une piste très humide, on a pu l'observer pendant 16 tours. Les pneus souffrent, des pneus puis chauffé à une quarantaine de degrés une heure avant la course pour une adhérence optimale. Pas de grosse bagarre, on reste très prudent. Axel Henné accroche la deuxième place suivie d'un des grands favoris de cette catégorie, Emeric Castella-Pressburger, lui aussi sur sa Kawasaki. Un trio de tête qui ne va pas changer jusqu'à la fin de cette première course. Et la deuxième course, hein, dimanche, ne sera pas vraiment de tout repos, toujours avec quelques averses. Et ce que l'on craignait est arrivé. Une grosse chute dès les premiers tours. Drapeau rouge, arrêt de la course. Nicolas Souchon, John Ross, Bileka perdent l'adhérence. Maxime Cucherdi chute également, mais se relève tout de suite. Ce n'est pas le cas, hein, Nicolas et John Ross, hein, toujours à terre et évacués sur civière. On parle de problèmes de bassin et de clavicule. Et le deuxième départ est donné une bonne demi-heure plus tard sans Maxime Cucherdi. Maxime qui voulait absolument reprendre le guidon mais on ne lui a pas donné l'autorisation pour des problèmes de fuite sur le carter. À mi-course, les positions sont figées. Alex Blancassagne, le numéro 57, prend la deuxième position suivi d'Emeric Castella. Cyril de la Ville-Montbazon est déjà loin de tout ça, concentré pour une deuxième victoire. Carrément mieux que l'année dernière. L'année dernière, on a fait 2x0 par terre et en panne. Et là, on fait 2x1, bah, c'est cool quoi.
On peut pas mieux commencer quoi. Il nous manque juste le point de la pole et meilleur tour en course, voilà, c'est tout, sinon on aurait fait carton plein. Ah, il a de quoi être heureux hein. Avec ses beaux podiums, on aime bien voir ça, ces belles images de sport. La Coupe de France, promo sport, avec bien sûr le classement général de cette catégorie promo 1000. Cyril Delaville-Montbazon hein, du team Moto Team 95 prend l'avance avec 51 points, suivi d'Axel Henné et d'Emeric Castella-Pressburger avec sa Kawasaki avec 32 points. Voilà, ce week-end de sport mécanique s'achève ici à Nogaro, enfin sous le soleil. Rendez-vous le 4 avril prochain à Les Denons pour la suite des Coupes de France promo sport.